La première force de quelqu'un, c'est de respecter les femmes. Il y a une anecdote, on a demandé à des hommes quels sont ceux qui ont perdu leur femme. Il y en a qui ont levé la main. On dit, mais quels sont ceux qui n'ont pas perdu leur femme? Ils ont demandé la main. Leur chef dit que lui veut aller à la guerre, il veut aller avec ceux qui ont perdu leur femme. C'est eux les vrais hommes. Parce que c'est eux qui ont peur de revenir avec la défaite. On dit à Mambara, ça y est, caf, ça dit maloui. Il préfère mourir que de revenir défait. Mais celui qui n'a pas peur de sa femme, bon, il n'a pas honte que la femme lui dise ce qu'il veut. Donc vraiment, je voudrais remercier les femmes de Kidal d'être venues nombreuses et surtout attendre. Les artisans de Kidal, je sais que vous avez une grande capacité de lobbying. Donc vous avez décidé hier, avant-hier le 14, au lieu que votre rendez-vous soit remis à 2 semaines, vous avez enlevé ça à 24 heures. Ça, il faut être de Kidal. Il faut avoir cette force de faire le lobbying. Donc, comme on dit, ce que Kidal veut, c'est ce que le Mali veut. Donc, c'est ça, c'est en ce moment que vous serez fort. Vous savez, lorsque on avait prévu de faire de moi Premier ministre, le 2 janvier, le 2 juin, le président m'a appelé un jour. Je suis allé chez lui vers 20h. Il m'a dit qu'il doit recevoir les principaux responsables des mouvements rebelles. Il voudrait dire 2 mots devant eux. Il les a appelés. Quand ils sont rentrés, j'étais dans la salle. Je ne sais pas quel sentiment ils ont eu. Donc quand ils sont assis, le président leur a dit, c'est lui qui sera le prochain Premier ministre. Il n'était pas encore nommé. Il dit, mon souhait, c'est qu'il soit votre interlocuteur. Je n'ai pas pris beaucoup de temps, je me suis retiré. Le lendemain, je les ai invités chez moi. On a parlé pendant 2 heures de temps. Voici ce que je leur ai dit. J'ai dit d'abord, on a la chance d'avoir à la tête de l'État des personnes qui comprennent beaucoup de choses. Le président, malgré son âge, il a fait plus de la moitié de sa vie au Nord, sur le théâtre des opérations. Moi, j'ai grandi là-bas. Toutes les difficultés dont les ressortissants du Nord peuvent se plaindre, je les ai vues et je les ai connues. La sécheresse, les privations, les abus souvent des représentants de l'État. J'ai tout vu. Mais ça, c'est dans beaucoup de pays. Maintenant, retrouvons-nous pour proposer aux Maliens quelque chose que tous les Maliens acceptent. Ce que nous devons faire, nous, les gens du Nord. Proposons aux Maliens quelque chose que tous les Maliens vont accepter. Il ne faut pas qu'on donne aux Maliens l'impression que nous sommes des citoyens à part. Ce n'est pas bien. Ce qu'on veut pour nous, il faut que ça se fasse pour Kaï, pour Sikasso. Et s'il y a des faveurs à nous accorder, que les Maliens acceptent à cause de nos situations géographiques. On a parlé pendant 2 heures de temps. Je ne suis pas allé trop loin. En réalité, vous savez, moi, j'aime beaucoup regarder l'histoire. J'ai fait beaucoup d'interventions à caractère historique dans les réunions ici. Souvent pour répondre à certains responsables politiques français. J'ai perdu des arrière-grands-pères dans le combat en faveur des Touaregs et des Arabes. Moi-même, je suis un métis. Mon arrière-grand-père, quand vous le voyez, c'est un Arabe. D'autres, c'est des Touaregs. Dans ma famille, tout le monde parlait les Touaregs. C'est nous, la nouvelle génération, là, qui ne parlons pas. Un de mes arrière-grands-pères a fait 8 ans de prison à Kidal dans les années 40. D'autres sont morts à Gorée. Vous savez leur faute? C'est le gouverneur militaire de Kaï qui a envoyé une lettre en décembre 1893. Donc j'ai la copie, en tout cas j'ai pu la retrouver dans mes recherches, où il est instruit au gouverneur militaire de Tombouctou que tous les citoyens
de la zone qui sont de peau blanche, arabes et touareg, il faut les supprimer. C'était ça le terme. Il faut les supprimer. Il faut les affamer. Il faut empoisonner leurs puits et les pâturages. Leurs animaux ne doivent pas être nourris. Quand mes arrière-grands-pères, dont on a coupé la tête, on a promené au marché, vous savez leur tort? On a trouvé dans leur maison, sous leur lit, des frères Touareg qui cachaient. Il y a les moustiques traditionnels de Soraï qu'on appelle Fafou. On a trouvé des Touareg qui étaient dans les Fafou. Donc le chef de village, on a coupé la tête. D'autres ont été déportés en Guinée, d'autres à l'île de Gorée. Certains sont morts, d'autres sont revenus. Il y en a qui sont morts, ils sont entrés à Bamako Koura. D'autres sont retournés, ils nous ont dit beaucoup de choses. Donc personne ne connaît les problèmes des Arabes et des Touareg plus que moi, parce que moi j'ai vécu là-bas. Même celui qui dirige le groupe qu'on dit terroriste, le groupe terroriste, il est de la même génération que nous. C'est pendant les années de la sécheresse là qu'on a tous débarqué. Ils sont allés en Algérie ou en Libye. Moi, je suis allé en Niger. J'ai fait le Baragnini là-bas pendant un an, sauf que moi, je ne suis pas allé loin. Hein. Dès que je suis rentré dans les marchés de Aérou, là, je suis resté là-dedans pendant un an. Et au lieu de continuer, moi, je suis revenu reprendre l'école. C'est pour vous dire que c'est le destin des hommes qui décident de tout. La deuxième chose, vous savez, quand je suis sorti du gouvernement en 2016, j'ai beaucoup réfléchi sur la situation du Nord. Il y a trop de mensonges, trop d'injustices. Les populations noires et blanches sont victimes de la même chose. Il y a une minorité de gens qui font ce qu'ils veulent. Vous savez qu'il y a des routes au Nord. Si les papiers, les routes sont faites, on sort de l'argent même pour l'entretien des routes. Il n'y a ni route, ni entretien. Mais il y a des gens qui prennent l'argent. Quelques-uns. Moi, ici, à la primature, quand je suis venu, j'avais demandé de faire des grands forages à grand diamètre dans la région de Kidal, comme dans beaucoup de régions. 5, je crois. Des grands forages à grand diamètre. On a fait un an de négociations, on n'a pas pu les faire. Parce qu'il y a une personne qui dit qu'il faut que les forages, c'est lui qui décide où on va les mettre, à qui il va donner. Il a dit que ce temps-là est terminé. J'ai dit au gouverneur de discuter avec eux. Le gouverneur est venu, j'ai compris que lui, il a le nom de queue de gouverneur. En fait, on lui dit ce qu'il veut, il doit faire. Quand il a su que des personnes sont contre, ces forages, on ne les a jamais fait à Kidal. Mais qui est le perdant? C'est la population de Kidal. Mais celui qui a refusé, lui, il boit de l'eau minérale. Il ne boit même pas l'eau depuis. Mais il peut prendre le micro pour parler au nom des populations de Kidal. Donc moi, je crois honnêtement, il est grand temps pour nous, les populations du Nord, de ne plus accepter d'être pris à notre par quelques personnes. On ne peut pas continuer à sortir des milliards pour faire des forages, pour faire des puits. Il n'y a ni forage ni puits. Et nous savons qu'il y a quelques personnes qui utilisent ça. Moi, j'ai vu la semaine de l'énergie et de l'eau. Je sais combien de milliards ils ont amené à Kidal pour l'énergie. Mais il n'y a rien eu. Où est-ce que l'argent est parti? Il faut que les populations se disent qu'il faut prendre le destin en main. Même le Mali, c'est ce qu'on a décidé de faire. Prendre le destin de la région en main. Il faut que tous les citoyens soient les mêmes. On ne peut plus accepter qu'il y ait une catégorie de citoyens qui fait ce qu'il veut. Ça, ce n'est pas possible. Moi, je suis venu de cette région, je ne vais jamais l'accepter. Jamais. J'ai fait l'école avec des jeunes Touareg, des jeunes Arabes, même le lycée. Mais certains, je les vois à Bamako, ils parlent seulement par solidarité, ils sont avec leur ethnie, mais quand tu les prends à côté, ce qu'ils te disent, c'est totalement différent du discours officiel. Mais il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on parle pour dire ce qu'on pense.
et non pas parler pour cacher ce qu'on veut. Or, c'est très développé au nord. Sous nos grands turbans, là, moi, j'ai dit à mon oncle là-bas, ce que les gens disent là, ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Ils disent quelque chose, mais ils pensent autre chose. Il faut que ça s'arrête. Les gens ont trop souffert inutilement. On est devenu un fonds de commerce dans les bagarres entre l'État et quelques personnes. Et quand l'État est faible, l'État négocie directement avec des individus. Moi, j'ai demandé au ministre des Infrastructures de me montrer la situation des routes au nord. Mais il y a des zones, elle m'a dit clairement que, quand elle était Kakuma, qu'elle ne peut rien dire, que la route là n'existe même pas. Mais il y a les fonds d'entretien qui sortent chaque année. Il y a des forages qui n'existent même pas. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi les gens ne peuvent pas se lever et dire qu'ils ne sont pas d'accord? Mais il faut arrêter ça. Quand je suis sorti du gouvernement, j'ai fait un livre pendant 4 ans. J'ai essayé de voir comment nous avons été colonisés. Qu'est-ce qui s'est... Vous savez, si les Touaregs n'étaient pas d'accord, le Mali n'a pas dit ce qu'il est. Les colonisateurs voulaient nous diviser. C'est des Touaregs qui ont dit aux Blancs, là, aux Européens, là, aux militaires, là, vous nous avez colonisés ensemble, laissez-nous ensemble. Donc si le Mali est uni là, historiquement, il y avait le rôle des Touaregs. S'ils avaient dit les Touaregs et les Arabes, en 1958, qui ne veulent pas être dans le Soudan, c'est ce que les colonisateurs cherchaient. Moi, j'ai la lettre qui a été écrite, soi-disant par le Cadi de Tombouctou, par 300 personnes, qu'il a adressée à De Gaulle. Il dit là-dedans qu'ils ne veulent pas être indépendants. Ils veulent être des musulmans français. Ou si ça ne se fait pas, qu'on les rattache à la Mauritanie ou bien au Maroc. Mais ces gens, ils ne sont pas représentatifs. Mais les vrais gens qui sont représentatifs, quand ils se sont retrouvés, 9 chefs de grandes tribus, mais ils ont dit aux militaires blancs qu'ils veulent rester dans le Soudan. Ils ont dit, notre avenir, c'est au sud. Toutes nos ouèdes coulent vers le sud. C'est pourquoi même certains camarades du sud qui parlent, certains, ce que j'appelle des ignares triomphants, là, qui croient qu'ils connaissent tout, mais ils ne connaissent rien. Je leur ai dit que l'avenir du Mali, c'est au nord. Dans 20, 30 ans, dans 50 ans, on sera à 50 millions, 70 millions. Au 17e, 18e siècle, les gens faisaient la guerre pour avoir l'espace vital. L'espace vital du Mali, c'est au nord. L'or, c'est au nord. Le pétrole, c'est au nord. Les minerais, c'est au nord. Le phosphate, c'est au nord. Donc certains pensent que le nord est pauvre. J'ai dit, mais vous vous trompez. L'avenir du Mali, c'est au nord. Organisons-nous pour être suffisamment représentatifs dans les structures de l'État, en agissant comme des patriotes au service des populations. Si quelque chose ne va pas, on le dit à l'État. On règle, on rend compte. Mais ne pas maintenir les gens en esclavage. Les mêmes façons dont les colonisateurs faisaient. On prend tout le monde, il y a quelques chefs, ils font ce qu'ils veulent. Certains veulent continuer ça. Ça, c'est terminé. Moi, je suis un fils de chef, mais je ne suis plus d'accord avec ça. Quand j'ai fait les 4 ans d'études pour voir un peu comment ça s'est passé, mais j'ai fait un livre que certains ont lu. On a même dit dans les milieux Touareg et arabes que moi, j'étais contre les Touareg et les arabes. J'ai dit, vous n'avez rien compris. Moi, je suis un métis. Moi, je suis un mélange d'arabes, de Touareg, de Soraï et de Peul. Mais je ressemble à mon père, un gros nez, les cheveux bien crépus. Mais si vous voyez ma mère, elle est comme les femmes Tamachètes. Elle est comme les femmes Peul. Actuellement, je suis en train de finaliser un livre qui va sortir peut-être dans 2 mois. Sur le rôle de la résistance des Touaregs. Parce que beaucoup de Maliens ne connaissent pas. C'est-à-dire comment les Touaregs ont résisté pour dire qu'ils ne sont pas d'accord qu'on les colonise. Tout sur toute la boucle du Niger. Ce livre-là, il va sortir dans quelques mois. Ceux qui disaient que le premier livre, il est écrit contre les Touaregs, ils n'ont rien compris. On était dans un combat où il fallait déconstruire certains mensonges.
L'islam est au Mali depuis plus de 8 siècles. On ne peut pas venir vous dire qu'on va vous islamiser maintenant. Donc les discours pour nous manipuler des Occidentaux là, ceux qui rentrent là-dedans, il ne faut pas l'accepter. Maintenant, vous savez, les problèmes ethniques, les problèmes religieux, quand on les dit à l'homme, il rentre là-dedans. Quand on te dit on a tué ton frère parce qu'il est de ton ethnie, ta religion, tu ne cherches même pas à comprendre. C'est comme les Peuls et les Dogons qui se situent au centre. C'est ta affaire Peul-Dogon. Mais c'est arrivé là-bas de toutes pièces. C'est des gens qu'on a importés. Ils ont vécu des siècles. Ça a été créé de toutes pièces pour qu'on oublie le Nord. Et parce que les Peuls font partie de ceux qui ont opposé beaucoup de raisons, beaucoup de fils à retordre aux colonisateurs. Et puis les Peuls, ils sont du Cameroun jusqu'au Sénégal. Donc il y a beaucoup de chefs d'État, Peuls même, qui ne comprennent pas dans la manipulation là. Il y en a qui s'élèvent. Il y a des jeunes Peuls qu'on prend dans un autre pays, on les amène dans un, on donne de l'argent à certains, ils vont tuer des gens comme ça. Est-ce que vous pensez qu'un Peul malien normal, qui n'est pas endoctriné, il va aller dans un village, tuer des femmes, les éventrer, les brûler? Mais ce n'est pas vrai. Oh. Au moins, ceux qui dirigent doivent se dire que comment mettre fin à cette situation. Et comment mettre fin à ça? Il faut d'abord éduquer les gens. Il faut que l'État exerce sa force. Un État, c'est la force et le droit. Quand un État n'est pas fort, ce n'est pas un État. La force, c'est pour s'opposer à n'importe qui veut s'imposer aux autres. Pas la force. Et le droit, c'est pour défendre les droits de tout le monde. Moi, je vous dis qu'il y a des routes au nord, il y a des gens qui prennent l'argent. Les populations auxquelles c'est destiné n'ont rien. On manipule des jeunes, on leur donne des armes, ils vont jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais on ne peut pas continuer dans ça. Donc, ce qui s'est passé à Kidal, moi, je crois que le président a eu la bonne idée. C'est qu'on ne peut pas gagner la paix dans un pays seulement par la guerre. La guerre est plus facile à gagner que la paix. Et c'est pour cela que dès que l'État a pris la souveraineté sur tous les territoires, le président a dit assez à nous pour parler maintenant. Et tout le monde, pour dire qu'est-ce qu'on veut. Il faut qu'au sortir de ce dialogue-là, c'est que les Maliens veulent que ça soit dit, ça va être dit à tout le monde. Personne ne va se lever à Sikasso dire que Kidal Kaoudou est fin de Foucault à Diagouaka. Personne ne va se lever à Nsongo pour dire que c'est les gens de Kaï ou Sikasso des fins de Diagouaka. Ça va être ce que les Maliens vont accepter. Il faut se faire des concessions pour qu'on puisse vivre ensemble. Et dans notre propre communauté. Moi, je dis à beaucoup, même on parle beaucoup de l'état des Lazawar. Vous savez que si l'état de Lazawar avait été créé, vous là, ici là, beaucoup d'aller dans les armées en train de se tuer. Parce que vous-même, vous savez, vous n'allez pas vous entendre. Moi, je le sais. Mais celui qui nous manipule tous là, lui, il essaie, parce qu'il a son agenda, il essaie de nous mettre d'accord jusqu'à arriver à son objectif. Quand il arrive à ça, il va nous laisser tomber. C'est pourquoi il y a beaucoup qui ont dit qu'on les a trahis après, mais ils n'ont rien compris. Dès le départ, on les a utilisés seulement. Et même ceux qui se battent là, le jour où les gens n'ont pas besoin de celui qui est là, ils vont l'éliminer. Parce que ces pays-là sont sans état d'âme. C'est leurs intérêts, c'est tout. J'ai dit une fois à une dame ressortissante de Kidal, j'ai dit, tu sais, quand tu es au Mali, tu es dans un véhicule 4x4, tes enfants sont dans les meilleures écoles. Tu as des marchés, tu as ton entreprise. Mais quand tu es dans les pays voisins, là, on ne t'appelle même pas Touareg. Il y a un nom par lequel on appelle ceux qui viennent du Mali. Ton pays, c'est le Mali. Tu n'as pas un autre pays. Et personne n'est plus malien que toi. Il faut travailler et s'affirmer et s'imposer. Il faut qu'on quitte ce complexe-là, penser qu'on est des Maliens d'une catégorie supérieur ou inférieur. On n'est pas supérieur, on n'est pas inférieur. On est des Maliens, point à la ligne. Et ce dialogue-là, il faut faire qu'au sortir du dialogue, personne ne trouve des arguments pour vous traiter comme des êtres inférieurs ou des êtres supérieurs. Vous devez être seulement des Maliens.
Quand le gouverneur a été désigné à Kidal, moi je l'ai reçu. Il a dit qu'il va à Kidal représenter l'État. Il ne va pas au nom de son ethnie. Il ne va pas là-bas comme Imgard, comme Idnan, comme Ifogas, comme ceci. Il va là-bas comme représentant de l'État malien. Il doit traiter tout le monde à égalité. Moi, je sais qu'avant, il y a beaucoup de responsables qu'on a nommés, parce que les pouvoirs politiques étaient faibles ici. C'est un individu qui dit, bon, c'est là il doit être gouverneur. Mais toi, tu sais qu'on t'a nommé gouverneur là-bas, sur quelqu'un. Mais tu ne vas jamais lui dire non. S'il n'est pas d'accord, il vient à Bamako, on t'enlève, on met un autre. Il faut arrêter ça. Il dit donc, il va pour travailler au nom de l'État. Je sais qu'il y a les sentiments d'être avec tout le monde, que les gens sont brimés. Personne ne va brimer personne. Et le gouverneur, il est là-bas pour représenter l'État malien. Il est là-bas pour tout le monde. Et nos frères qui n'étaient pas d'accord hier, ceux qui comprennent vraiment, venez, on enterre la hache de guerre. Personne ne peut pas continuer. Il n'y a que les autres nations qui en profitent. Tous ceux qui font semblant de nous soutenir là, c'est pendant une période. Soit parce qu'ils ont un agenda qui est contre le gouvernement malien, ils utilisent des Maliens pour lui mettre des cailloux dans sa chaussure. Mais dès qu'ils arrivent à bon port là, ils enlèvent leurs cailloux, ils mettent en poche et ils vont vous laisser. Il faut que les gens du Nord comprennent ça. Et de façon structurée. Aujourd'hui, on parle de dialogue intermalien. En réalité, c'est un appel d'air à Kidal. C'est vrai, il y a tous les Maliens, mais le problème, c'est venu de Kidal. Donc, vous avez un rôle central. Il faut que vos préoccupations soient clairement définies et annoncées à l'État malien. En ce moment, vous aurez fait votre rôle. Jouez votre responsabilité face à l'histoire. Parce que les futures générations vont savoir que c'est vous qui avez créé les conditions pour qu'elles vivent mieux. Parce que peut-être dans 15-20 ans, on ne parlera plus de guerre. On va avoir beaucoup de choses là-bas, les villes vont être bien, les gens vont aller revenir. Les gens vont se rappeler qu'un jour, vous avez rencontré le Premier ministre et vous avez parlé de l'avenir de la région. Comment faire en sorte que les choses se passent bien? Maintenant, il va y avoir toujours les tendances à répéter ce qu'on a déjà fait. Il faut sortir de ça. Les gens pourront dire on va faire des groupes de négociation, on va voir les gens. Maintenant là, vraiment, il faut parler de ce qu'il faut pour la région. On se met ensemble, on le sort. Parce que vous savez, les conclusions du dialogue intermalien, on va essayer de les appliquer comme il faut. Parce que c'est dans ça qu'il y a le salut du Mali. C'est pour cela que la question électorale, la suspension des partis, font beaucoup de bruit actuellement. Mais la réalité, c'est que ce dialogue intermalien, il est déterminant dans l'avenir du Mali. Ça, c'est le dialogue intermalien. Maintenant, il y a l'autre aspect, c'est la stabilisation de la situation au Mali. Vous savez qu'au Mali, dès le départ, dès 2021, il y avait deux camps au Mali. Il y avait le camp de ceux qui disent qu'il faut qu'on recouvre l'intégrité du pays. Il faut qu'on sauve la vie des Maliens. Il y a d'autres qui disent, allons-y à des élections, tout de suite. Ça allait nous amener quoi? Un président faible qui va venir, on va l'appeler à Paris ou à Bonn ou à Washington pour lui dicter ce qu'il doit faire. Il ne peut rien faire parce que s'il n'est pas d'accord, on manipule un groupe, on fait un soulèvement armé contre lui, on le fait tomber. On a dit non. Il faut d'abord recouvrer l'intégrité du territoire. Et nous avons compris que ces forces internationales, elles ne sont pas là pour notre pays. Elles sont là pour un autre agenda. L'agenda qui était prévu, c'est que dans 20-30 ans, nous tous, on va quitter la scène. Beaucoup d'entre vous ne seront même pas là. Les jeunes là, c'est des jeunes qui ne comprennent rien. Ils vont tout accepter. On va diviser notre pays. Tous les pays, c'est comme ça qu'ils procèdent. Vous avez vu au Soudan, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit la démocratie, démocratie. Il y a les musulmans au nord, les chrétiens au sud, jusqu'à ce qu'on a divisé en 2011.
Après, les musulmans qui sont restés, un jour, c'est les femmes et les jeunes qui sont sortis, la démocratie, la démocratie. Bon, on a renversé le président, on a mis la démocratie. Après un jour, comme ceux qui ont organisé, ils ont les techniques, on a retiré les têtes de proue civiles. Les militaires sont restés entre eux. Ils sont en guerre maintenant. Où est le Soudan? Même ceux qui ont demandé la démocratie, là, beaucoup sont morts, d'autres ont fui. Donc leur pays est détruit pour rien. Les élections, vous regardez en Haïti. Haïti a conquis son indépendance depuis dans les années 1700. C'est l'un des pays qui a gagné contre la plus puissante des armées d'Europe, Napoléon. Ils ont fait plus d'élections que tous les pays là-bas. Mais jusqu'à présent, c'est des transitions. On tue les présidents, les prémices. On a dissous leur armée en 1995. Ils ne font que des élections. Donc les élections, c'est une partie de la démocratie, mais ce n'est pas la source. Nous, on se bat pour la souveraineté du Mali et sauvegarder la vie des Maliens. Les autres chantent ce qu'on leur dit de chanter. Alors que chaque pays a ses réalités. Vous regardez en Europe, vous avez deux pays qui sont en belligérance, l'Ukraine et la Russie. Le président d'Ukraine dit que lui ne peut pas faire des élections, il est en guerre. Mais on n'a pas entendu l'ONU parler, on n'a pas entendu la communauté internationale parler. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Mais la Russie a fait ses élections, ils sont en guerre aussi. Tout ce qu'on a trouvé, c'est critiquer les résultats. Donc chacun décide. Mais pourquoi chez nous, quand on décide, ils disent non. C'est l'ONU qui sort une déclaration le premier. Ensuite l'Union africaine. Ensuite la CEDEAO. Mais où est-ce que ces gens-là étaient quand on tuait les Sénégalais? Quand on emprisonne plus de 1000 personnes d'un parti? Où est-ce qu'ils étaient? Nulle part. Donc c'est très clair que ces pays-là, quand ils ont des intérêts, les règles là, ce n'est pas pour eux. Moi, je viens tout de suite de donner un exemple. J'ai quitté une cérémonie. J'ai dit en 1945, quand De Gaulle a formé le premier gouvernement, quand il a pris le pouvoir, la première tâche, c'est de chasser les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Pourquoi nous, on veut faire ça aujourd'hui, ils disent non. Quand il y a des Aménaka, nous savons que les terroristes sont réfugiés en Drambokane et autres. C'est de là-bas qu'ils chassent les populations. Mais si on va les chercher pour les frapper, les détruire, le temps qu'on finisse ça, on nous dit faire des élections. Le gouvernement va se disperser dans les élections et mais il va laisser la lutte pour se consacrer sur les élections. Et les Maliens vont continuer à mourir. J'ai dit l'Angleterre elle-même. Lorsqu'il y avait la guerre, les ouvriers ont voulu aller en grève des armements. Celui qui était l'ennemi de la guerre, il a dit que tous les ouvriers qui ne seront pas à leur poste le lendemain, ils vont les réquisitionner pour aller au front. Mais le lendemain, tout le monde était à son poste. Pourtant, la grève, c'est un droit reconnu par la Constitution. Parce que leur pays était menacé. Quand le pays est menacé dans son existence, il n'y a pas de règles. Où la règle, c'est la règle de la survie de la nation. Les États-Unis, lorsqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu peur d'être envahis par le communisme pour changer l'ordre qu'il y a chez eux. Ils ont voté ce qu'ils appellent le Patriot Act. C'est que même si ton voisin va mentir, dit que tu es un communiste, on va t'arrêter. Parce qu'il leur fallait bloquer le communisme pour que leur système politique ne soit pas renversé. J'ai dit aux uns et aux autres que même le président des États-Unis. On a l'impression qu'il n'y a que deux partis. Mais il y a le candidat du Parti communiste, il est en prison là-bas à vie. La seule chose qu'il a demandé, que les Américains d'origine aient les mêmes droits que les autres Américains. Exactement ce que Mandela a demandé. Mais il est en prison à vie, parce que c'est un communiste. Donc nous, on a un système politique, on a un État que d'autres États veulent détruire. Et ils veulent utiliser tous les moyens. Il y a une politique d'encerclement de l'AES aujourd'hui. Une politique de dispersion de nos efforts sur le front. En même temps, ils veulent amener des mouvements politiques au Mali. Nous savons ce qui s'est passé ici en 2002. En 2002, pendant que les gens se battaient, il y a des partis qui ont fait des meetings ici pour dire aux soldats de ne pas se battre.
Il y a des soldats qui ont dit qu'ils ne se battent pas. Il y a des mères qui ont téléphoné à leurs enfants pour leur dire de ne pas vous fatiguer. C'est la veille de la chute des ATT. Et nous savons qu'il y a des gens qui se sont aujourd'hui organisés. C'est ça l'objectif de certains pays étrangers au Mali. Ils ont prévu d'organiser des manifestations politiques pour que les soldats qui se battent au front soient découragés. Parce que quand un soldat se bat, son père, sa mère, sa famille est en insécurité. Ce soldat-là, il ne peut pas se battre comme il faut. Donc quand on a toutes ces informations, on ne va pas nous asseoir jusqu'à ce que quelqu'un qui veut faire ça. Or, ça, c'est détruire la démocratie. Si notre pays est envahi aujourd'hui et divisé, ça, ce n'est plus la démocratie. C'est pourquoi j'ai dit l'autre jour qu'il y en a qui veulent utiliser la démocratie pour détruire la démocratie. Sinon, lorsqu'on dit dans un pays, on est en train de stabiliser la situation de la souveraineté du pays. On est en train de faire un dialogue intermalien. Attendez quelque temps pour qu'on atteigne le point de non-retour, pour qu'on soit sûr qu'on a créé les conditions pour qu'un aventurier ne vienne plus à la tête de l'État, détruire l'armée, détruire l'école, éteindre la corruption. On dit d'attendre. Mais si votre objectif c'est le pays, mais il n'y a pas de problème. Mais je dis dans toute décision, il y a des critiques. Les citoyens sont libres de critiquer. Mais un gouvernement, gouverner, c'est prévoir, c'est décider. Et quand vous décidez, il faut l'assumer. Si l'histoire vous donne raison, c'est bien. Si l'histoire vous donne tort, c'est fini. Voilà la situation où on est aujourd'hui. Moi, je voudrais que les ressortissants de Kidal, comme vous êtes en train de le faire, le renforcer pour soutenir votre gouverneur, pour faire en sorte que dans votre région, personne ne vienne plus faire ce qu'il veut, que les intérêts des populations soient mis au devant. Si dans les budgets, on a dit qu'on a fait un forage pour Kidal, que ce soit un ressortissant du Nord ou du Sud qui est à la tête de ce projet, il faut qu'il montre à la fin les forages qu'il a fait. Si on dit qu'on a fait des routes, il faut qu'à la fin, on montre les routes qui sont faites. Mais sinon, comment ça va se passer? Vous allez trouver sur des années, il y a une minorité de gens qui font ce qu'ils veulent. Les autres sont là. Par solidarité ethnique, par solidarité religieuse, on se soutient. Mais dans la réalité, on n'est pas ensemble. Il faut arrêter ça. Et vous avez aujourd'hui une grande chance. Les assises concernant le dialogue intermalien, je suis certain que la volonté des ressortissants de Kidal va être prise en compte. Il n'y aura aucun jeu contre lui. Personne n'a intérêt aujourd'hui à donner le sentiment à une partie des Maliens, notamment de Kidal, qu'il y a la frustration. Personne n'a intérêt. Parce qu'il ne pourra pas gouverner. Quand une nation ne pense pas la même chose, ne tire pas dans la même direction, vous ne pouvez pas gouverner. Et la force seule ne gouverne pas. Il faut que les gens soient d'accord. Donc vraiment, je voudrais vous remercier. Vous dire que nous comptons beaucoup sur vous. Moi, vous pouvez compter sur moi pour plusieurs raisons. D'abord, je suis le premier ministre du Mali. Je suis un ressortissant du Nord. Et je suis comme vous, je suis un métisso. Je suis le vrai Malien. Moi, je suis un métisso. Tu dis arabe, moi, je suis arabe. Tu dis touareg, moi, je suis touareg. Tu dis soreille, je suis soreille. Tu dis peul, je suis peul. Et ni au cas, au Mali là c'est fini. Parce qu'au Mali on dit que quand tu pinces l'oreille de quelqu'un à Kaila, l'autre va crier à Kidal pour dire que ça lui fait mal. Donc vraiment, l'avenir du Mali se joue dans les mains des Maliens. Vous avez un grand rôle à jouer. Et vous avez l'avantage, la population est très diversifiée à Kidal. Vous avez des hauts cadres qui sont dans les très hautes fonctions, qui connaissent bien. Moi, je sais qu'il y a beaucoup qui voient ce qui se fait. Ils ne parlent pas seulement parce que, bon, c'est la pratique chez nous, il y a des vérités qu'on ne dit pas. Sinon, ils savent ce qui se passe. Bon, il est grand temps maintenant de dire exactement ce qui se passe et régler les problèmes.
Voilà ce que moi je voulais vous recommander. Et l'État a désigné un représentant. Il faut le soutenir. Et lui, il a obligation. Moi, je lui ai dit qu'il doit écrire en lettres d'or des pages dans l'histoire du Mali. Que dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, les jeunes ressortissants du Mali et de Kidal se disent qu'il y a eu un général en telle année qui a pu ramener la paix. Nos frères qui sont aussi hors du Mali, parlez avec eux, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ont des amis, hein. Ils vont mettre les gros turbans là, mais on connaît ce qu'il y a en dessous. Les frères qui sont dehors là, vraiment parlez avec eux, dites-leur de revenir. Ils n'ont pas un autre pays. Oui, c'est des frères et amis. Il faut leur dire de revenir. Tous les pays qui disent qu'ils les soutiennent là, c'est uniquement parce qu'ils ont un agenda. Quand ils vont finir avec eux, ils vont les jeter comme des citrons. Donc ils reviennent dans leur pays. Aujourd'hui, nous avons décidé, quand on a tué, nous savons par exemple que les bateaux de Tombouctou, c'est des services secrets étrangers qui ont tué les gens. Quand tu viens assumer, mais on lance des mandats d'arrêt contre toi. Mais si tu es sûr, viens t'expliquer, viens parler avec les gens. Mais rester dans un pays et vouloir nous déstabiliser, ça c'est fini. Hein? Nous, on s'est tellement bien préparé. Celui qui veut toucher un de nos cheveux, on va lui raser la tête. C'est fini avant les présidents qui viennent, on les tape à l'épaule et ils sont bien. Ça, c'est fini. L'armée malienne ne reculera plus encore. Et cette armée, c'est votre armée. Ce qui ne va pas là-dedans, vous dites, les chefs militaires vont corriger. Mais un État qui n'a pas d'armée, ce n'est pas un État. L'école, regardez, les enfants de Kidal n'étudient pas. Tous les Maliens sont en train d'étudier, les enfants de Kidal n'étudient pas depuis des années. Alors que tous ceux qui sont des cadres là, c'est parce qu'ils ont étudié. Leurs enfants ne sont pas à Kidal. Hein. Même ceux qui mènent les troubles là, leurs enfants ne sont pas là-bas. Il y a beaucoup qui ont des châteaux ici, leurs enfants sont dans les grandes écoles, mais le reste des pauvres qui sont à Kidal. Mais ça leur nom, toute leur légitimité, ils la tirent d'où? Ils parlent au nom de ces populations qui souffrent. Donc vraiment, je voudrais une prise de conscience. Moi, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, je travaille à l'éveil des consciences pour que les gens comprennent ce qui se passe, pour que les gens se lèvent. Par exemple, le livre dont je vous ai parlé, où je vais parler de la résistance des Touaregs et des Arabes à la pénétration coloniale. Mais il y a des choses là-dedans, les Maliens ne connaissent pas. Vous-même, vous allez lire, vous allez comprendre comment vos grands-parents se sont battus. C'est en ce moment que vous allez comprendre que ceux qui disent qu'ils sont vos amis là, c'est pour vous tromper. C'est parce qu'ils ont besoin juste de votre accompagnement pendant un moment. En tout cas, tout ce que j'ai écouté aujourd'hui, je l'ai noté avec beaucoup d'attention. Je vais en parler avec le président de la transition, qui suit déjà au courant, parce que le dialogue intermalien, c'est une affaire très particulière pour lui. Il suit ça au jour le jour. Mais cette rencontre d'aujourd'hui, elle est fondamentale. Elle est importante. Et je pense qu'en plus des débats que vous allez faire dans le dialogue intermalien, c'est bon d'élaborer une stratégie de développement de la région. Vous avez les ressources intellectuelles pour cela. Et ces documents, vous allez nous les donner. Le gouvernement va travailler là-dessus. Pour que vraiment, dans quelques 5-10 ans, tout le monde voit que la région de Kidal a changé. Parce qu'on est en train de parler de la sécurité depuis 2012. Mais arrête, c'est bien avant. Seulement, c'est le discours convenu. On dit depuis 2012, mais ce n'est pas vrai, c'est bien avant. Lorsqu'en 2006, je me rappelle, Père Sonam a été à Kidal. Mais les bailleurs de fonds ont annoncé plus de 500 milliards d'investissements. Mais on n'a plus rien investir. Parce que tu achètes des pick-up, on les détruit. Tu veux faire des routes, on tue les ouvriers. Bon, celui qui fait ça, c'est lui qui va venir dire que la zone ne se développe pas. Il faut que nous nous organisions pour que cela cesse. Et nous avons les potentiels, nous avons les cadres, nous avons l'intelligentsia. Nous pouvons le faire. Et nos frères qui sont ailleurs, il faut vraiment parler avec eux. Il n'y a pas de problème au Mali. Il n'y a pas de problème, sauf celui qui en crée. Mais ce qu'on n'acceptera plus,
c'est que des groupes de gens viennent s'imposer à la majorité. Ça, c'est terminé. Nous n'allons plus accepter ça. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Le reste, c'est vraiment c'est dans les mains de Dieu et c'est dans vos mains. Et je suis sûr que vous allez lever le défi. Je connais les gens du Nord. Quand on leur présente un défi, tu les vois, ils sont dans leur grand boubou là, ils sont nonchalants. Mais s'ils ont un défi là, tu peux compter sur eux. Ils vont être les premiers à l'arrivée. Donc, vraiment, merci beaucoup. La séance est levée. On va faire des photos avec le bœuf. On commence par les dames et après les hommes.